Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comment avoir Apicapu. Par exemple ça, cette application là, elle s'appelle Apicapu. What? Attendez, what? Ah. Ah. Il est où déjà? Voilà, donc c'est pas grave, regardez. Là, vous allez sur Chrome. Voilà, sur votre compte Google, Chrome, votre navigateur. Attendez un peu. Vous allez sur Apicapu. Qu'est-ce que je dis? Vous allez sur Chrome, votre navigateur sur votre tablette ou Samsung ou un truc dans le genre. Vous écrivez Apicapu avec un E. Voilà. Après, vous allez sur le premier lien. Sur le tout premier lien. Ici, voilà. Vous appuyez dessus et là vous avez ça tranquille. Et là, comment l'avoir sur votre écran principal, par exemple vous l'avez ici vous avez compris, voilà. Du coup moi je vais là. Là, ça, j'enlève. Et là, je refais ça. Et là, regardez, utilisez l'application pour libérer. Vous allez ici, sur ici, par exemple. Ici, c'est ça, ici. Moi, j'appuie dessus, j'ai déjà mon compte. Là, voilà. Attendez, voilà. Et là, quand vous ouvrez ça, normalement, ça vous met ici. Ça vous met ajouter Apicapu à l'écran d'accueil. Vous appuyez dessus. Elle a ajouté. Ajouté depuis. Le site Apicapu a bien été ajouté sur votre écran. Et là, il est là. Hop, il est juste là. Vous le voyez bien. Voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo, à vous abonner, ça va être cool. Abonnez, n'oubliez pas à liker. Et je vais mettre mon serveur Discord dans la description. Je vais essayer de le faire. S'il est dans la description, c'est bon, j'ai réussi. Et s'il n'est pas, je vais essayer de le mettre